ça joue bien la guitare. Huh. As a guy by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a dance fly. Oh, si, c'est trop bien. Ça passe bien, mon voyage. En général, Zazie aime bien les barbus dans son équipe, même si elle ne voit pas, on va voir si elle peut le sentir. On est bien. Vous avez bien fait de venir, hein. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, il faut en profiter. Quand ils sont comme ça, il faut en profiter. Voilà. Bonsoir, jeune homme. Comment vous appelez-vous? Ryan Kennedy. Ah, ben alors j'ai un problème de choix d'oreille en ce moment. Ryan avec un A. Ryan. Excusez-moi, c'est juste moi en plus, avec des accents, des fois ça peut m'échapper. Donc. L'accent du Québec. Ah, bien, ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a cette facilité de groove. Vous avez un style et un son tellement particulier. C'est tellement personnel et vous le maîtrisez tellement bien qu'au départ, on peut se dire est-ce que ça tient tout le temps? Et ouais, ça tient super bien. Merci beaucoup. Ouais, ouais, belle signature vocale. Merci. Hey Ryan. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai que vous avez du style et c'est vrai que vous êtes différent. Et c'est vrai qu'on n'a pas entendu cette voix-là avant. Et c'est vrai que c'est ça qu'on cherche. Voilà, vous faites du Ryan. Et puis ce grain, cette voix de gorge, très particulière. Au début, j'ai même cru que ça pouvait être éventuellement une femme. Et c'est plutôt, c'est un compliment, je veux dire, non pas d'être une femme. Mais... Je me le fais dire à l'occasion. Voilà, parce que là, une femme à barbe, soit, mais... mais c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est tous ces paradoxes, on mélange et ça donne du Ryan, et merci en tout cas. Merci beaucoup. Salut. Alors moi, je me suis retourné parce que ça me faisait plaisir, c'est tout. Merci, Mika. C'est le mouvement qui te faisait plaisir. Non, c'était pas le mouvement. T'avais envie de tourner. Non, c'est pas parce que j'ai envie de tourner toute la soirée. Le côté... Ça tourne. J'adore ça. Non. Si je veux après, faire il ça, se retourne après, il dit oh non, finalement. Non, c'était pas... Parce que la performance m'a fait plaisir. J'aime tout simplement, et si moi j'aime... Ça veut dire que ça parle là et ça parle là. Et j'ai pas trop besoin d'utiliser ça. Quand c'est bien fait, on enlève le cerveau. On s'éteint un peu et on s'illumine. Et toi, tu m'as fait ça et donc je t'ai suivi. Et je t'ai pas du tout déçu parce qu'on réalise qu'en fait, t'as beaucoup sous le pied. Hein, et tu pousses pas. Et tu attends. Et juste sur la dernière note, tu fais « Et aussi, je sais faire ça. » Et en fait, ça, c'est bien. C'est les choix qui montrent une intelligence émotionnelle qui est essentielle si on veut être musicien, si on veut être performeur. Et toi, tu maîtrises bien
le côté performeur et artiste. Et c'est pour ça que je me suis retourné, très simplement. C'était rapide. Merci. Merci. C'est vrai. Bonsoir. J'ai un petit peu fait comme Mika. Je me suis retourné sans trop réfléchir. En fait, évidemment, ton grain de voix est quand même assez différent. On sent effectivement que tu dois avoir pas mal de réserves. Tu as choisi une chanson un peu détente, mais je suis sûr que tu peux faire 100 000 trucs. Alors, des petites questions comme ça, info. Tu as un groupe, tu es tout seul. Comment ça se passe? C'est moi toute seule, c'est Ryan Kennedy. Je fais de la musique, je joue beaucoup à la radio au Québec. Et tu tournes là-bas? Oui, je tourne beaucoup de tournées. Ah, tu es déjà à la radio? Oui, j'ai deux albums, j'étais à la radio beaucoup. L'année passée, j'ai le top 5 le plus joué, ma chanson à la radio. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu veux faire The Voice en France? J'ai envie de venir voir ici, l'autre côté de la mer, comment que vous allez recevoir cette voix-là et mes chansons, et aussi de voir qu'est-ce que je peux apprendre avec vous. Voir ce que le public aussi peut en penser. Oui, et les coachs, ouais. J'ai vraiment hâte aussi. Là. C'est un choix très difficile que je vais devoir faire. J'adore ton tatouage sur ton bras gauche. War is over. Ah. Ça, c'est John Lennon. Ah, merci, oui, je sais. Ouais, j'ai le même sur mon blouson derrière. Moi, j'ai sur mon frigidaire. Voilà, on a. Et Florent, est-ce que vous en avez un? C'est vrai, je te jure. Moi, j'ai la fleur de lys, mais c'est pas le Québec, c'est ma femme. C'est insoucinable. Alors là, je dois choisir, hein, c'est ça? Ouais. OK. Et je sais vraiment pas qui prendre, honnêtement. Alors, moi, j'ai pas de tatouage. Alors, bah écoute, j'ai... Moi, j'en ai un là. Mais moi, Zazie, je voudrais le voir, alors je vais prendre toi. Improbable. Merci. Quand je pense que mes parents m'ont engueulé quand je me suis fait tatouer. Exactement.